الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فنواصل بعون الله تبارك وتعالى قراءة ما يتيسر من كتاب شرح رسالة النواقض أو نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ محمد بازمول حفظه الله. أخي وائل الضابط الأول صلى الله عليه وسلم أحسنت. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أين عبد الرحمن؟ اختم؟ الله يسعدك. الله يسعدك. أزدين رمضان هداه الله هداه الله أمين أمين أمين. الثاني الكفر نوعان أكبر وأصغر. نعم. La deuxième règle concernant le takfir, la mécréance est de deux types. الأكبر والأصغر. Ben Jadid, Fed. Il lui reste encore sur le même point. C'est quoi? C'est quoi le même point? Il y a le ciblé. Et, et celui que. Le ciblé et l'autre, c'est quoi? C'est avec des preuves, c'est ça? Non, c'est pas ça. Malik, troisième. L'islam d'un. Attends. من ثبت إسلامه بيقين. الإسلام. Je sais plus comment on dit. La personne. Oui. L'islam d'une personne. Son islam attesté par certitude ne peut être enlevé que par certitude. Voilà, c'est dur. Non. Même en français, c'est dur. Hein? L'arabe français. Il n'y a pas une langue où tu excelles ou... Darija, là, Darija. Tu arrives en Darija? Si. Non, même pas. La personne dont l'islam, la personne dont l'islam est reconnue avec certitude, ou a été affirmée avec certitude, ne peut être, tu m'as fait perdre aussi mon français, voilà, ne peut être rejetée qu'avec certitude. Ou annulé avec certitude. Nourdine, quatrième. Je sais pas si le cœur peut avoir de l'obéissance et du coufre. De l'obéissance et du coufre. Le cœur du musulman. Le cœur du musulman peut contenir en même temps. La foi et le kufr. Il peut contenir en même temps l'obéissance et la désobéissance. C'est pas difficile. Le cœur du musulman, il peut contenir en même temps le kufr et l'iman. L'obéissance et la désobéissance. C'est faux ce que j'ai dit alors. C'est pas terrible. C'est pas précis. C'est pas précis. أخي الخامس سبقا بسي دي ليس كتا يكري الكفر والشرك peut-être cité dans les textes religieux sans qu'il ne s'agisse tout le temps de ce qui fait sortir de l'islam. نعم أحسنت. الكفر والشرك قد يأتيان في النصوص الشرعية وقد لا يراد بهما ما يخرج من الإسلام أو من الملة. نعم. السادس سليم. لا يوجد السادس.
لا ذكرنا السادس السابع الثامن التاسع العاشر خير ان شاء الله خير ان شاء الله طيب وين السادس تكفر الجزم تكفر العين نعم الفرق بين تكفير المطلق وتكفير العين او المعين d'accord c'est celui que tu voulais dire toi Benjdid yani le fait que on doit faire la différence entre le takfir de genre d'accord takfir al mutlaq et le takfir ciblé d'accord yfarqu bainahum tayeb azdin sabia qiyam al hujjati la budda minhu 'inda irada al takfir al mu'ayyan ahsant le septième, lorsque on veut émettre le jugement du takfir ciblé sur une personne ciblée en particulier, on doit bien sûr au préalable établir les preuves sur elle. Quoi? Qiyam al-hujja. La budda min. Dabit al-thamin. T'as connu qu'un seul, toi. T'as connu d'autres encore? Al-thamin. C'est l'expliquer, tu vois. Ça me paraît pas. Comment sortir les termes. Malik, huitième. C'est le kof peut être avec la parole ou avec la langue. Il peut contenir. La langue peut. Je sais pas si peut contenir. Le kof peut être dit avec la langue. Ouais. Et Malik, tu te rappelles ou pas? Avec les paroles, l'acte. La talazum. La talazum. Bain al hukm bi kufr al qawl wal fi'l wa bain qa'ilihi wa fa'ilihi. Il n'y a pas d'indissociabilité entre la parole ou l'acte. Et entre celui qui a fait ou dit cette parole-là. Ils ne sont pas indissociables. On peut les séparer. Tu peux dire un autre mot, indissociable. L'inséparabilité ou l'indissociabilité ou talazum. Enfin, en arabe, c'est talazum. C'est plus rapide. La talazum. Entre l'acte et celui qui le fait. C'est-à-dire qu'on peut les séparer. D'accord ? C'est-à-dire son acte peut être du kufr, mais celui qui a fait cet acte-là n'est pas forcément un kafir. Ça va dépendre de Qiyam al-Hijja, l'établissement des preuves, est-ce qu'il était ignorant ou pas ignorant, contraint ou pas contraint, et parmi les conditions. D'accord ? C'est bon ? C'est bon, Yafran ? لا تلازم سمو سليم التاسع اخي العزيز احسنت للنوفيام الكفر قد يكون بالقول فقط بقول فقط la mécréance peut être réalisée à cause d'une simple parole même s'il n'y a pas de croyance ou d'acte وائل العاشر نعم ça c'est الحادي عشر نعم الحادي عشر الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط انتفاء الموانع ça c'est l'onzième. C'est l'onzième, mais ce n'est pas grave. Il y a un acte qui, en apparence, peut être du kufr, comme ne pas l'être. Il y en avait cité l'exemple de Hadith, de qui? Hatib. Hatib ibn Abi Balta'a. Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Donc lui, son acte, il peut être du kufr, comme il peut ne pas l'être. Ça va dépendre de son intention. C'est quoi son intention? C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
n'a émis aucune sentence sur lui avant de lui avoir demandé pourquoi et pour quelle raison il avait fait cela. D'accord ? Donc lorsqu'il y a un ihtimal, lorsqu'il y a plusieurs probabilités, on va dire, eh bien on devra clarifier avant de émettre un jugement. D'accord ? Non. Al-Ashir, Azdin. Malik. Rudin. Al-Ashir. Akhi. Vas-y, Malik. L'affaire liée à la mécréance, s'il se peut que ce soit de la mécréance ou autre chose, on ne juge pas. Vas-y. En fait, ça, il a. Ouais, il a dit. Celui d'avant. Le dixième. Oui. La base dans le fait de juger les gens et ce qui est, apparent et en. Voilà. Voilà, non. Ahsant. L'asl fil hukm ala nas madha al-zahir. L'asl fil hukm ala nas al-zahir. Ce qui est apparent. On doit juger, nous, l'apparence. Allah jalla wa ala yatawalla bis sara'ir. Alors qu'Allah tabarak wa ta'ala, lui, s'occupe de ce qu'il y a dans le cœur des gens. Ce n'est pas notre affaire. Voyez. On s'arrêtait là? Non. Non. C'est un dernier achat. Vas-y. Il y a des conditions, c'est ça. Il a parlé du gouvernement. Mm-hmm. Il y avait des conditions pour faire le takfir. On avait dit, en fait, que le jugement par rapport au gouverneur, il est plus strict. Il est plus strict, hein, que celui sur quelqu'un qui n'est pas dirigeant. D'accord ? Yaqul al-hakim al-muslim madha akkada shari'u hadha fi haqqihi. Akkada Allah tabarak wa ta'ala hadhihi al-qawa'id wa al-dawabit li al-hukam. Naam. Donc la douzième règle, c'était que Allah jalla wa ala a émis des règles encore plus strictes pour le dirigeant musulman, le gouverneur musulman, le hakim, le juge musulman, que pour les autres. Le 13. C'était le dernier, je crois, qu'on avait fait. Non, c'est le dernier. Le dernier. لا تكفير بماذا؟ بالمعاصي والذنوب. لا نكفر المسلمين بالمعاصي ولا بالذنوب إذا كانت كبائر. إذا كانت كبائر ما لم تستحل. ما لم تستحل. La treizième, c'était quoi? Qu'on ne rend pas mécréant pour à cause d'un péché. Même si ce péché-là fait partie des kabaïr, des péchés majeurs. Tant que la personne ne l'a pas rendu licite. Donc là, on parle des péchés, bien sûr, qui n'atteignent pas le degré de kufr akbar ou de shirk akbar. D'accord. Taïe. Je pense s'arrêter là. Naam. Al-dhabit al-rabi'u ashar. Al-istihlalu أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب وهو على نوعين النوع الأول الاستحلال المكفر المخرج من الملة استحلال مكفر مخرج من الملة وضابطه أن يقوم لدى الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه الله عز وجل ثم هو يعتقد أنه حلال علم ثم بعد علمه يعتقد أن هذا الشيء
حلال. فهذا الاستحلال استحلال مكفر. نعم. والنوع الثاني الاستحلال غير المخرج من الملة، وهو الاستحلال العملي. الاستحلال العملي بمعنى فعل المعصية. نعم، بمعنى فعل المعصية مع الاعتراف بكونها معصية، مع اعترافه بكونها معصية وأنه آثم وأنه مستحق للعقوبة. والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يستحق اسم الإيمان المطلق، إنما هو مؤمن فاسق. طيب، دونك يدي الشيخ لا 14e règle، يدي الاستحلال le fait de rendre licite quelque chose. Il dit cet acte, l'istihlal, c'est un acte qui est lié à la croyance de la personne. Donc un acte du cœur. L'istihlal, c'est un acte du cœur. Sachant, malgré tout, que l'istihlal est de deux types. Le premier type d'istihlal, c'est celui qui fait sortir celui qui fait cet istihlal de l'islam. Un istihlal qu'on dit mukaffir. Mukaffir, mukhrij, min al-millah. Et comment on fait pour savoir que c'est un istihlal qui est mukaffir, qui est mukhrij, min al-millah? Eh bien, le fait que la personne sait qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdit cette chose. Elle le sait. Elle sait qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdit et a rendu illicite, haram, telle chose. Mais malgré ça, son savoir et ce qu'elle sait, eh bien, elle dit que c'est halal. Et elle croit que c'est halal. Alors qu'elle sait qu'Allah l'a rendu illicite. Elle te dit c'est illicite, c'est halal. Donc ça, il n'y a pas de doute que son istihlal, c'est un istihlal qui est mukaffir. Le deuxième type, l'istihlal qui n'est pas mukaffir, et qui ne sort pas de l'islam, c'est celui que l'on appelle l'istihlal ou l'amali. L'istihlal au niveau des actes, à travers les actes de la personne. C'est-à-dire que la personne désobéit à Allah tabarak wa ta'ala. Elle désobéit. Elle sait qu'Allah tabarak wa ta'ala l'a interdit. Allah jalla wa ala a interdit l'alcool. La personne boit l'alcool. D'accord? Ça, c'est une forme d'istihlal, mais amali, au niveau des actes. Mais tant qu'elle reconnaît qu'elle est dans le péché, elle reconnaît qu'elle désobéit à Allah tabarak wa ta'ala en faisant ça, et qu'elle mérite ou qu'elle est sous la menace du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, cet istihlal-là n'est pas mukaffir. Ne fait pas sortir de l'islam. D'accord? Donc l'istihlal, al-amali, peut exister dans le cœur du croyant. D'ailleurs, donc si la personne commet un kabira parmi les kaba'ir, elle a fait, elle est tombée dans ce genre d'istihlal, istihlal al-amali. Mais tant qu'elle reconnaît que c'est interdit et qu'elle est dans le péché et qu'elle risque la punition d'Allah et la sanction d'Allah tabarak wa ta'ala, on ne pourra pas l'appeler, comme on l'avait vu dans les premiers cours, yani, mu'min. Et on dira mu'min, par exemple, fasiq. D'accord? Mu'min fasiq, croyant fasiq. Ou naqis iman, avec une foi faible. Taïb? Non. Le père de famille qui subit face à la pression de sa famille,
Est-ce que il autorise quelque chose dans la maison qui est haram? Il rentre dans la deuxième catégorie. S'il autorise, s'il laisse faire. Non. Et non. Il rentre dans la deuxième catégorie, non. Bien sûr. C'est lui, Rabboul Bey, c'est lui le seigneur de la maison, le maître de la maison. Ils sont sous son autorité. Vous voyez, il a même le droit d'utiliser la force pour enlever le haram. Il est chez lui. Il est chez lui. Il a le droit d'enlever, par exemple, les télévisions, les portables, ici, et ça. Il a le droit, il est chez lui. Mais s'il cède, il dit, c'est bon, qu'il pourrait le faire. Ah, s'il cède, c'est bien sûr qu'il est dans le péché. Il aura jugé par autre que la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il aura rendu licite ce qui est illicite. Lakin fi al-amal, au niveau des actes. Mais dans son cœur, si, tant qu'il croit que c'est interdit, et il sait qu'il est dans le péché en faisant ça, on y rentre dans la deuxième catégorie. D'accord ? Le deuxième ? الاستحلال الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية فحقيق بالمؤمن أن يحذر استحلال محارم الله تعالى يحذر وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي وقال والاستحلال اعتقاد أنها أي المحارم التي حرمها القرآن حلال له الاستحلال اعتقاد أن هذه المحرمات حلال له وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم ما حرمه الله عز وجل ثم يمتنع بعد ذلك بعد علمه بذلك يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم الشارع فهذا أشد كفرا ممن قبله هذا أشد كفرا ممن قبله أن يعلم أن الله تبارك وتعالى حرم هذا الشيء يعلم وبعد ذلك يعاند ويأبى قال لا أنا لا أقبل لا أقبل نعم الله المستعان فقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر هذا لأنه يعترف لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغض ويسخط
لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر منه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم باقترار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد. وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، أين وهو إبليس، وهو إبليس ومن سلك سبيله، وإبليس ومن سلك سبيله. إبليس يعلم، يعلم قدرة الله تبارك وتعالى على عقوبة العاصين وأصحاب النار، يعلم من ذلك كله، يعلم قوة الله، يعلم كمال علم الله، كمال عزة الله، ومع ذلك سبحان الله أبى يسجد، أبى أن يسجد. فهذا الكفر من أعظم أنواع الكفر، بل قال أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع الله به. وأظن هذا حديث، أن هذا حديث أظن، نعم. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب ألا يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد، وذلك قول وعمل، لكن لم يكمل العمل أو لم يكمل العمل. نعم. Donc il dit, on va essayer de traduire la parole de Cheikh Islam rahimahullah ta'ala. Il dit, il convient ou il incombe de droit aux croyants de faire attention, à l'istihlal. Donc le fait de rendre licite ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdit. Il lui incombe également de savoir que cela est une des causes ou des plus grandes causes de châtiment et de punition. Car cela donc implique yani les péchés les plus graves. Il dit l'istihlal, c'est quoi? Donc la définition de Cheikh l'Islam de l'istihlal, il dit, c'est une croyance. L'istihlal, c'est une croyance. Croire que ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdit est licite pour lui. Pour lui, c'est licite. Croire que ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdit, pour lui, c'est autorisé. Donc cela peut se produire en croyant qu'Allah Jalla wa'ala l'a rendu licite pour lui. Ou en croyant qu'Allah tabarak wa ta'ala ne l'a pas interdit. Ou en croyant, ou en ne croyant pas plutôt, qu'Allah Jalla wa'ala l'a interdit. Al-Muhim, tout ça rentre dans la croyance. L'istihlal avant tout, c'est une croyance. Ça sent le brûler, non? Non, il dit le cheikh, cela se produit à cause d'une défaillance dans la foi en la Seigneurie. À cause d'une défaillance dans la foi au message. Ou cela peut également être un refus. Un simple refus qui ne repose sur aucun fondement. Il se peut aussi que
La personne sache qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdit cette chose. Qu'elle sait que le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce qu'Allah a interdit. Mais, malgré ça, il ne va pas agréer cette interdiction. Il va la refuser. Il sait qu'Allah l'a interdit. Il sait que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a interdite. Mais il refuse cette interdiction-là. Il la refuse. Yani, il s'y oppose. Yu'anid. Il s'oppose à celui qui l'a interdit, qui est Allah Jalla wa'ala. Il dit le shaykh, ceci, cette mécréance-là, est plus grave que la précédente. Elle est plus grave encore que la précédente. Hein? Le fait de croire qu'une chose, elle est licite, en sachant qu'elle est, qu'Allah Jalla wa'ala l'a rendue illicite. Mais celui qui sait qu'elle est illicite, mais il refuse. C'est même pas qu'il croit qu'elle est licite. Il refuse lui carrément. Il te dit, non, je sais. Je sais qu'Allah l'a interdite. Mais je n'accepte pas. Ça ne passe pas. Allah musta'an. Eh non. Je sais qu'Allah a rendu illicite les instruments de musique. Je n'arrive pas. Pour moi, ce n'est pas... Hein? Il te dit, pour moi... Il n'y a rien de mal. C'est vrai ou pas? Il n'y a rien de mal. Comment? Tu vois du mal dans la musique de Beethoven? De Mozart? C'est vrai ou pas? Il est où le mal? Au contraire, ça apaise l'esprit. Ça apaise l'esprit. Ça fait monter la foi. Un âme. Alors que le hadith, il te dit, le hadith, non, mais il est sahih, le hadith. Sahih? Un âme. Mais ça ne passe pas. Non, il refuse. Il s'y oppose. Il se révolte. Il est en mode révolte, rébellion. Hein? Il dit, ce coffre-là, il est pire que le précédent. Il est pire. T'as vu? Pourtant, il sait que Allah Jalla wa'ala punit celui qui fait ça. Il le sait. Un âme. Donc il dit le cheikh, cela peut être le résultat en fait, ce refus, cette objection-là, hein, cet entêtement, peut être le résultat d'une défaillance dans sa croyance au sujet de la hikma d'Allah tabarak wa ta'ala. Comment il peut dire ça? Hein? Alors qu'Allah tabarak wa ta'ala huwa al-hakim. Al-hakim. Aïdhu al-hikma, al-baligha. Celui qui possède la hikma parfaite, absolue, complète. Donc Allah, Jalla wa'ala, dans tout ce qu'il fait, il fait avec hikma. Hein? Que ce soit dans son taqdir, ou son tashri', sa législation, ou sa prédestination, il fait tout avec hikma. Baligha. Ou al-hikma, c'est plus que l'adl. On a l'adl, qui est l'équité, la justice. Et on a l'hikma. Certains pensent que les deux sont pareils. L'hikma, c'est l'adl. Ou l'adl, non, c'est pas pareil. L'hikma, c'est l'adl ou ziyada. D'abord, c'est quoi l'adl? C'est quoi l'équité, l'adl? Bismillah. Être juste, naam, la justice, c'est-à-dire... Comme disent les ulama, wad'u shay fi mawdi'i. Wad'u shay fi mawdi'i. Là, ça c'est l'adl. L'hikma, hada wa ziyada. Ma hadi ziyada. Pour ceux qui ont écouté les cours de dimanche, ils devraient le savoir. Ah, tu es là le dimanche, toi. C'est mettre les choses à leur place et plus encore avec une sagesse derrière, une noblesse derrière. Un objectif, naam, avec un objectif derrière. Al-adlu, mettre la chose à sa place. Al-adlu, d'accord? Être juste. Tandis que le hikma,
C'est mettre la chose à sa place. وَضْعُ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِ الْمُوَافِقِ لِلْغَايَاتِ الْمَحْمُودَةِ مِنْهُ. Mettre une chose à sa place, mais cette place-là, en plus, elle est conforme à un objectif noble. Il y a un objectif derrière. Allah, Jalla wa'ala, il ne fait rien sans objectif. Il ne fait rien sans une hikmah derrière. Taïeb, Allah, il a créé le bien, il a créé le mal. Mais est-ce qu'il a créé le mal pour le mal? Il a créé le mal pour ce qu'il y a derrière comme hikmah. Allah, il a créé Iblis. Mais est-ce qu'il a créé Iblis pour Iblis? Non. Il a créé Iblis pour ce qu'il y a derrière comme hikmah. Pour que les gens, ceux qui ont désobéi à Allah, tabarak wa ta'ala, donc obéi à Iblis, eh bien, reviennent à Allah, demandent pardon à Allah, fassent tawbah. Donc, il y a une hikmah derrière. Tout ce qu'il fait à Allah, tabarak wa ta'ala, il y a une hikmah. Hikmatum baligatum, fama tournin nudhur. Une hikmah absolue. Baligha. وَضْعُ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِ الْمُوَافِقِ لِلْغَايَاتِ الْمَحْمُودَةِ مِنْهُ. L'istihlal? Non. Non, le deuxième, non. Le premier. Le premier. Est-ce qu'il y a un dalil dans le Coran? Ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme divinité. Parce qu'ils rendaient licite ce qu'Allah il avait interdit. Non, c'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk. Fi tashri'a. Fi tashri'a. Taïeb. S'il sait qu'Allah tabarak wa ta'ala l'a rendu licite, et que malgré la lui, il le rend licite, il s'est mis au même niveau qu'Allah tabarak wa ta'ala, au niveau de la tashri'a, de la législation. Il s'est mis associé avec Allah. Et na'am. C'est pour ça que cela fait sortir de l'islam. Taïeb. On est où déjà? Al-Hikma. Naam. Donc celui qui sait qu'Allah a rendu une chose haram, il reconnaît qu'Allah l'a rendu haram. Mais il te dit, moi je ne l'accepte pas. Hein? Il n'y a pas de doute que là, c'est du kufr. Et que ça montre aussi qu'il a une grosse défaillance au niveau de sa croyance par rapport à la sagesse d'Allah tabarak wa ta'ala. Comment il peut dire ça alors qu'Allah wa al-Hakim? Il y a un problème au niveau de sa croyance par rapport à une des sifats d'Allah qui est l'hikmah. Qui est l'hikmah. Et également le qudra, la puissance d'Allah tabarak wa ta'ala. Naam. Donc c'est comme s'il reniait une des sifats d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est comme s'il la reniait. C'est comme il disait qu'Allah tabarak wa ta'ala ne fait pas preuve de hikmah dans l'interdiction de telle ou telle chose. Na'udhu billah. Et également, ça peut être une simple révolte, rébellion de sa part, ou comme tu as dit, un simple suivi de ses passions. Mais dans tous les cas, c'est du kufr. C'est du kufr. Parce qu'il reconnaît qu'Allah tabarak wa ta'ala a rendu illicite telle ou telle chose. Et il croit en tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené. Il y croit en plus. Il y croit. Il croit en tout ce que les croyants croient. Mais il déteste. Mais il déteste. Et on verra qu'en vérité, ça rentre dans l'un des annulatifs de l'islam, qui est le bourde, la détestation d'une chose de la religion. Le fait de détester une chose de la religion. De ne pas l'accepter. Parce que cela ne va pas dans le sens de ce qu'il veut et de ce qu'il désire. Il dit par exemple, La ukirru bidhalik. J'approuve pas ça. Comment la femme doit mettre un djilbab hein, en 2019? Comment elle met un djilbab en 2019? Comment on ne sert pas la main aux femmes? Comment l'homme ne sert pas la main à une femme? Pourquoi? Alors que Rabbi Dalek.
Les hadiths, ils sont clairs. Les hadiths, il est sahih. Tu lui ramènes un hadith, tu dis oui, j'y crois. Je crois en tout ça, mais. J'arrive pas. J'arrive pas à l'avaler. Et donc, il déteste cette chose. Il déteste la vérité. Il sait la vérité, mais il la déteste. Ça, c'est l'une des pires formes de kufr qui soit. Voilà. Donc, le fait de rendre mes crayons ceux qui sont dans ça, c'est connu dans l'islam. Il n'y a, aucun doute à avoir sur ça. Il n'y a aucun doute à avoir sur le kufr de celui qui sait la vérité et qui la refuse. Et qui te dit non, j'accepte pas, je refuse. Aynan. Et le Coran est rempli, dit le shaykh, du takfir de ces gens-là, de cette catégorie-là de personnes. Le Coran en est rempli. Et nous dit même, il nous expose que leur châtiment est plus grave encore et pire que les autres. Taïeb, c'est pour ça qu'il est dit, et je pense qu'Allahu Alam, c'est un hadith. Si je ne me trompe pas, c'est un hadith, même si les termes sont un peu différents. Il dit le shaykh, « Ashaddu nasi azaban » Les gens qui subiront le pire des châtiments, « Yawm al-qiyama alim » C'est un savant ou quelqu'un qui sait, « Lam yanfa'u Allahu bi'ilmi » Dont Allah, tabarak wa ta'ala, n'a pas fait profiter de sa science. C'est-à-dire que cette personne-là, elle était alim, elle savait la vérité, mais sa science ne lui a pas profité. C'est-à-dire qu'elle a refusé la vérité, elle s'est opposée à la vérité. Celle-là, elle est pire que. Bien sûr que celui, yani, qui accepte la vérité, mais qui désobéit à Allah, tabarak wa ta'ala. Il te dit, non, je sais. Je sais que ce que je fais est mal. Mais, hein, comme il dit, à la rare, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Mais lui, c'est pas ça. Lui, il refuse. Car il te dit, non. Dis-moi, j'aime pas cette législation-là. Cette loi, je l'aime pas. Cette loi, je l'aime pas. Il y a des lois qu'il aime et des lois qu'il choisit. Il prend ce qu'il veut. Hein, à sa sauce. Il est de la même catégorie que Iblis. Iblis, il sait la vérité. Il connaît parfaitement la puissance d'Allah, tabarak wa ta'ala. Il était avec les anges. Il était avec les malaïkas. Taïeb, qui ne désobéit jamais à Allah, tabarak wa ta'ala, les malaïkas. Donc il connaît la puissance d'Allah. Il connaît la perfection d'Allah dans sa science, dans tout, sa sagesse, dans tout. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de se rebeller et de s'opposer à l'ordre d'Allah, tabarak wa ta'ala. Donc, ceux qui refusent la vérité, qui savent la vérité, qui reconnaissent que c'est la vérité, mais qui te disent non, j'accepte pas cette vérité. Je ne la veux pas, cette vérité-là. Il est comme Iblis. Voyez. Et ainsi, on voit donc la différence entre celui qui désobéit à Allah tabarak wa ta'ala, qui reconnaît l'obligation de l'obéissance, et il aurait aimé ne pas désobéir à Allah. Il aimerait ne pas désobéir à Allah. Ce n'est pas qu'il la déteste. Au contraire, il aime ce qu'Allah a interdit, mais il est faible, il tombe dans le péché. À cause d'une shahwa, d'un désir, son nefs, et autre chose que cela qui ont fait que, eh bien, il a désobéi à Allah tabarak wa ta'ala. Naam. Mais il croit en tout ce qu'Allah a descendu. Il est humble envers Allah azza wa jal. Il est soumis à Allah tabarak wa ta'ala au niveau des paroles, au niveau des actes. Mais ses paroles ne sont pas parfaites. Il se doit de perfectionner ses actes par rapport à ce qu'il fait comme péché. Mais lui, il n'est pas dans l'istihlal qui sort de l'islam. D'accord ? Wallahu a'lam. C'est bon ? C'était
c'était chaud. Allah abito. Amin, amin. Al khamis achar. هذا موجود موجود مثل هذا هذا النوع موجود سبحان الله. Hein? On a parlé avec des gens comme ça. Ah non, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'on a tous connu un peu des gens comme ça. يعترفون الحق يعتقدون أن هذا حرام. Ils reconnaissent que c'est interdit. Là, comment? Comment la musique? Là. كما قال يعني بعض السلف لا تعجب ممن هلك كيف هلك ولكن يعجب ممن نجا كيف نجا. Il a dit parmi les salaf à son fils, il lui a dit sois pas étonné par ceux qui se sont égarés, comment ils se sont égarés, mais sois plutôt étonné par ceux qui ont été épargnés, comment ils ont été épargnés. Parce qu'il est évident que la majorité des gens sur terre sont dans l'égarement. La majorité. D'accord? Donc ne sois pas étonné sur le nombre de gens qui sont dans l'égarement. Sois étonné que toi tu es dans la vérité, alhamdulillah. Et remercie Allah tabarak wa ta'ala pour ça. Tu lui demandes thabat, 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 le raffermissement. الضابط الخامس عشر أن المرجع في أمور التكفير وتنزيلها على الواقع هم ولاة الأمر من العلماء والأمراء وليس ذلك متروكا لآحاد الناس. أي نعم. فإن النظر في قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع لا يحسنه أي أحد. صح. لا يحسن أي أحد يعني قيام الحجة على الناس. ويحتاج إلى أمور لا تتيسر إلا لولاة الأمر. بل وليس إلى أفراد العلماء. سبحان الله. بل وليس لأفراد العلماء أي لكل العلماء لا. إن لم يكونوا من العلماء الذين هم من ولاة الأمر. فإن هذا الباب من الأبواب التي تحتاج إلى سعة علم وسعة النظر وحكمة وتدقيق، وهذا لا يحسنه أي أحد، إنما يحسنه العلماء الذين خصمه الله بالتوقيع عنه في الأحكام والفتاوى وفي تبليغ الناس أمور الدين مع ما لديه من السلطة التنفيذية والإدارية. Donc le 15e, la 15e règle, dit le Cheikh, la référence dans les choses du takfir, les personnes vers lesquelles on doit se retourner, et dans l'application de ces règles qu'on vient de voir, l'application du takfir sur le concret, sur la réalité, sur les gens, de manière concrète, réelle. Eh bien, ces gens-là, c'est qui? Ce sont les dirigeants. Ou plutôt, walat al-amr. Parce que walat al-amr, ulul amr, cette appellation-là inclut non seulement al-umara, les dirigeants musulmans, mais aussi les ulama, les savants. Donc cette affaire-là de takfir, ou d'application du takfir, de manière concrète, revient à eux. Ce n'est pas une chose qui doit être laissée à tout un chacun. Donc, l'observation de l'établissement des preuves, à travers, comme on a dit, thubut, shurut, wa intifa al-mawani',
la confirmation des conditions, l'absence des empêchements. Toutes ces choses-là ne sont pas maîtrisées par tout le monde. Un âme, ce n'est pas parce que tu as appris un âme qu'on doit établir la preuve sur quelqu'un et que les conditions sont présentes et que les empêchements sont absentes. Déjà, est-ce qu'on a appris c'est quoi ces conditions? On n'a pas appris vraiment de manière détaillée. On n'a pas appris c'est quoi les empêchements de manière détaillée. On n'a pas appris encore. Et même si on les avait appris, est-ce que ça nous permettrait ensuite de partir d'aller dehors et d'appliquer ça sur les gens? C'est pas à tout un chacun. C'est pas à n'importe qui de faire ça. Il faut utiliser les chéir. Ces choses-là doivent être appliquées seulement par ceux qui détiennent l'amr, le commandement. Il dit même parmi les ulama, ce n'est pas tous les ulama qui peuvent prendre ce rôle-là. Taïeb. Pourquoi ils croient? Parce que dans un pays où la charia est appliquée, Saoudia. Al-Murtad. L'apostat. C'est quoi son sentence? L'apostat. C'est le Qatr. Donc, est-ce qu'on va s'amuser à... Non. Donc, cette affaire-là, elle revient à ceux qui détiennent le commandement. Parmi eux, les ulama. Mais les ulama qui font partie de ces gens-là, les wulat amr, qui sont habilités à ça. Ils sont habilités à faire ça. C'est eux qui vont prononcer la sentence finale. C'est comme un juge. Lorsqu'il prononce la sentence et qu'il tape avec son marteau, là. Ça y est, khlas. Sauf si après tu fais appel ou je sais pas quoi. C'est ça. Nous, on n'a pas ce marteau-là pour juger. Kafir. C'est pas comme ça. Donc il dit ce domaine, il a besoin d'une science vaste. Pas juste une science, mais une science vaste, large. D'une expérience, d'une clairvoyance, d'une sagesse. Hikma. D'une précision. Tatqiq. Minutieux. Comment toi tu vas être sûr à 100% que la personne a bien compris l'épreuve, elle a bien compris l'épreuve, et que malgré ça, elle refuse? Pour ça, il faut du ilm, il faut de l'expérience, il faut de la minutie, il faut de la sagesse. Et toutes ces choses-là, bien sûr, ne sont pas présentes chez chaque individu. Elle est maîtrisée seulement par les ulama. Et certains ulama, pas tous. Qu'Allah tabarak wa ta'ala a spécifié et qui peuvent donc émettre des jugements, des fatawas, qui font des fatawas. Aïna'am. Et qui peuvent transmettre, répondre à des questions religieuses parce qu'ils sont habilités à faire ça. Parce qu'ils font partie des gens qui ont ce qu'on appelle as-sulta at-tanfidhiyya wal-idariyya. Ils ont le pouvoir exécutif, comme on dit. As-sulta at-tanfidhiyya, le pouvoir exécutif. C'est eux qui s'occupent de ça. Comment appliquer les sentences? Ils sont habilités à ça. Ou as-sulta al-idariyya. Administratif. C'est leur boulot. C'est leur job. Abdel Mohsen. Lui fait ça aussi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hafidhahullah Ta'ala. Hafidhahullah. ولا هذا الشيخ أحبه والله المتواضع جدا سبحان الله
عندما يخطب ينظر إلى الورقة ولا يرفع عينه. Parce qu'il fait le khutba, il lève pas les yeux de la feuille. Il regarde même pas les gens, subhanallah. Il lit. Il n'y a pas de... C'est ça, hein? Tu l'as vu, toi? Masha'Allah. Hein? C'est quoi? Parce qu'il fait le... frère Adina, il fait partie de ces ulama qui peuvent justement... qui travaillent dans ça. Qui font ça. Dans le pouvoir exécutif. C'est bon, ikhwan? فيقول الشيخ وأبدأ بعون الله تعالى في شرح هذه النواقض التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اللهم صل وسلم الحمد لله. وايد في الكلمة ها البداية خلاص البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. أن من أعظم لا أن نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. لا نعم الأصح هذه إن شاء الله تعالى. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنها الذبح لغير الله فمن يذبح لغير الله فهو مشرك كافر. نعم لا مثل الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر أو للقبر. نعم زيد الثاني من جعل بينه وبين الله وسائل يسأل يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفرا اجماعا. الثالث من يعتقد من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفرا. نعم قف بارك الله فيك. أزدين البداية. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأولى الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله فمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من لم يكفر المشرك من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم قف بارك الله فيك. نعم باقي ملك سابقين لا أحد خير سابق أخوة أبقى بكوبة احفظوا ان شاء الله المت اللي كور سو ماتان اللي كور فرانشمان ان اون هور جو بونس ميم با ان دمي هور سا ا بري بين الله سي لوكازيون ان شاء الله دو لابران بار كور سي لوكازيون. طيب نعم قبل ان ندخل في الشرح سئل شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى يقول السائل إذا تكلم أحد بكلمة الكفر ثم تاب من حينه هل عليه أن يغتسل؟ يعني avant que l'on commence بإذن الله عز وجل, mais je pense qu'on va commencer mardi prochain le début de Sharh. Le Cheikh Al-Fawzan fi dhallah il a été questionné. On lui a demandé, lorsque une personne prononce une parole de kufr, et qu'après elle fait tawbah, elle fait le repentir, elle se repent à Allah tabarak wa ta'ala, est-ce qu'elle doit faire le ghusl?
est-ce qu'elle doit faire elle rousse hein quoi yirtasil yirtasil الجواب يقول الشيخ ليس عليه اغتسال إذا تاب إلى الله واستغفر وتاب توبة صحيحة ليس عليه اغتسال لكن الكافر الأصلي إذا تاب فبعض العلماء يقول أو يرى أنه يغتسل يرى أنه يغتسل ولكن الجمهور على أنه أو على أن الكافر الأصلي لا يؤمر بالاغتسال هذا الجمهور لماذا؟ لأنه أسلم أناس كثير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالاغتسال أناس كثير من الصحابة هل أمرهم بالاغتسال؟ لا ما أمرهم بالاغتسال طيب وبعضهم يقول إن الردة تنقض الوضوء الردة تنقض الوضوء فلا يؤمر بالاغتسال المرتد لكن وضوءه ينتقض وهذا بناء على أن أعمال المرتد تبطل ولو تاب فإذا تاب يبدأ من جديد إذا تاب يبدأ من جديد هذا هو قول بعض العلماء donc la question il dit le cheikh la réponse à cette question celui qui a commis du kufr akbar puis après il se repent, il n'a pas affaire à le rousse. Il n'a pas affaire à l'irtissel. Voyez. Mais quant à al-kafir al-asli, celui qui n'a jamais été musulman, d'accord, il n'a jamais, il a grandi dans le kufr, d'accord. Et un jour il embrasse l'islam. Donc il se repent de son kufr, il embrasse l'islam. Il y a des ulama qui disent il doit faire le ghusl. Il doit faire le ghusl. Mais la majorité des savants disent qu'il n'a pas à faire de ghusl. Même lui, il n'a pas à faire de ghusl. D'accord? La preuve, c'est quoi? C'est qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combien de gens se sont convertis à l'islam? Combien? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit fais le rousse? Faites le rousse? Non, il n'a pas dit faites le rousse. Donc par rapport à certains textes, certains ont dit c'est mustahab, c'est recommandé. Mais les ulama, ils sont unanimes. Même ceux qui disent que c'est obligatoire, ils sont unanimes pour dire que celui qui n'a pas fait le rousse, son islam, il est valide quand même. Mais il aura commis un péché parce qu'il n'a pas fait le rousse. C'est tout. D'ailleurs, mais al-rajih, c'est que ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. D'ailleurs. Maintenant, qui c'est qui a levé le doigt? C'est toi. Non, je vais demander, c'est quoi la preuve de ceux qui disent qu'il faut le faire? Pour faire le rousse. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais ordonné. Là, il y a des textes. Il y a des textes. Mais ils n'ont pas rendu authentiques ces textes-là. Et ça, on l'a vu dans Sharh Manhaj Salikin. De la main, ils disent que Ridda, l'apostat, par contre, le fait d'apostasier, de sortir de l'islam, ça annule el-wudu. Ça annule wudu, par contre. Et ça, on l'a vu aussi dans le Manhaj Salikin. D'accord? Parce que les actes de l'apostat,
s'invalide automatiquement. Celui qui sort de l'islam, ses actes sont invalidés. Donc s'il était sur le wudu, son wudu aussi il s'invalide. D'ailleurs, même s'il se repent, il doit refaire le wudu. Même s'il revient à l'islam, vu que son wudu s'est invalidé, il doit le refaire. Et s'il le refait, donc il recommence, entre guillemets, sur une impureté, donc il doit refaire le wudu. Ça, c'est l'avis de certains savants. Al-Qawlu Thani, Anna A'malahu As-Saliha, Ba'da Tawbah Min Ar-Ridda, Tarji'u Ilayhi, Wa La Tabtul, Ou Tarji'u Ilayhi, Fayabqa Hajjuhu Mathalan, Hajjuhu, Wa Umratuhu, Wa Salawatuhu, Wa Sadaqatuhu, يرجع إليه وهذا هو صحيح لأن الله عز وجل يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فهذه الآية دلت على أن من لم يمت وهو كافر بل تاب أعماله السابقة وأعماله السابقة لم تحبط وترجع إليه. Et le deuxième avis qui dit que les actes que la personne, les bonnes œuvres qu'elle faisait avant le kufr, eh bien, ils reviennent après sa tauba. Elle s'annule lorsqu'il a fait le kufr, mais elle lui revient après sa tauba. C'est-à-dire toutes ses prières, s'il a fait le pèlerinage, s'il a versé la zakat, les sadaqat, toutes les bonnes actions qu'il faisait avant, elles lui reviennent. Elles ne sont pas perdues. D'accord ? Et ça, c'est ce qui est authentique. Et la preuve, c'est la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, la sourate al-Baqara, mettez minkum an dini. Sourate al-Baqara. Non. Le sens rapproché, celui qui apostasie de sa religion, fayamut wa huwa kafir, et qui meurt en étant mécréant. Faoulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Cela, leurs œuvres sont invalides, sont nuls. C'est comme s'il n'avait rien fait. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que celui qui a fait du kufr, qui a été apostat, mais qui n'est pas mort sur ça, il a fait le repentir. Il n'est pas mort sur ça. Il a fait tawba. Il s'est repenti. Et il n'est pas mort sur la mécréance. Il est mort sur l'islam, sur l'iman. Après tawba. Ça prouve que lui, ses actions, elles reviennent. Elles ne sont pas invalides. Elles reviennent. D'ailleurs, est-ce que c'est clair, les frères? Alhamdulillah. Enfin, Inch'Allah, bi'idhnillah, nashra'u fi sharhi al-naqid al-awwal al-usbu' al-qadim bi'awni Allah tabarak wa ta'ala. Fa nas'alullaha azza wa jal an yaghfira lana ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.